pêche, du sable, on s'est tanké, mais on a été au bout. Encore une fois, on est là, quoi. Et on lâche pas l'affaire. On est en Bolivie et le ciel vient de nous tomber sur la tête. Le bivouac est complètement inondé, c'est l'apocalypse. Là, on va aller doux, hein. On va aller tout doux aujourd'hui parce que un peu lâché à tout moment, quoi. Sans filet. C'est ça, c'est sans filet, ouais. Là, c'est vraiment à l'arrache, là. Encore une fois, on va bien voir. Lui n'a terminé que 48e, mais c'est un exploit qu'il vient de réaliser. Philippe va développer algunas de las historias de vida que se ven en esta nueva edición. En este caso tiene que ver la preuve par l'exemple que le handicap peut aussi être une force. On est à Buenos Aires. On a galéré, ça a été 15 jours très très durs. Et enfin, on est là. On est là et on est heureux. Je terminerai là-dessus, n'oubliez pas que tout est possible. L'impossible, c'est juste vous, c'est personne d'autre. A bientôt les amis. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Comme il l'a dit tout à l'heure, ça va être un moment de partage. Juste un moment de partage. Je vais commencer par un petit mot. Un mot tout bête. Un mot auquel j'ai cru jusque l'âge de 26 ans. Ce mot, c'est impossible. Combien de fois on m'a dit « c'est pas possible, tu peux pas faire ça ». Combien de fois on vous a dit « c'est pas possible, tu peux pas faire ça ». Et combien de fois vous êtes dit vous-même « c'est pas possible, je peux pas faire ça ». Moi, aujourd'hui, vous allez voir mon mode de fonctionnement dans ma nouvelle vie. C'est j'ai d'abord une idée. Ensuite, j'ai les infos. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. On ne peut plus s'arrêter. On monte une équipe. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui, malheureusement, se posent la question, est-ce que je vais pouvoir? Ils ont un rêve, ils ont un objectif. Et tout de suite derrière, ils vont se dire, oh, oui, mais est-ce que je peux? Comment je vais faire? Le fameux comment je vais faire? Ils viennent de s'enlever 80% de chances d'y aller. 80% de chances d'aller à son objectif, d'aller dans son rêve, juste en se posant la question. Après avoir traversé la Manche à la nage, avec un camarade, Arnaud Chasserie, j'ai eu l'idée de vouloir relier les 5 continents à la nage. Je me suis dit, fort de mon expérience, ça va le fonctionner. J'ai été voir les chaînes de télévision, j'ai été voir TF1, le groupe France Télévisions, le groupe M6, et je leur ai dit, hey, on va relier les 5 continents à la nage. Un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans le bras. On va relier les 5 continents. Vous voulez bien faire un documentaire avec nous et qu'on le présente à la télévision? Ça serait vraiment génial. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, toutes ces chaînes de télévision, d'après vous? Eh ouais, ils ont dit, c'est pas possible. Un mec comme toi, en prime time, à 20h50 à la télé? Non mais laisse tomber, c'est anxiogène, personne ne va regarder. Alors je me suis pas découragé. Je suis parti avec mon caméraman, Robert Izeni, avec qui on avait fait un premier film qui s'appelait « La vie à bras-le-corps ». On est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, relier l'Océanie à l'Asie. Et quand j'arrive en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on arrive dans le petit village de Wutung, où il y a des petits papous qui sont là. Ils nous voient arriver, nous les petits blancs, pour traverser la mer. Et le jour, on vit avec eux pendant une quinzaine de jours. Et Susanna me met ses grosses prothèses, me met à l'eau pour partir, pour rejoindre l'Océanie à l'Asie. Et là, on voit arriver un papou, 7 tampas. Avec un masque brûlé par le soleil, des vieilles palmes cramées aussi, avec tenues avec de la ficelle. Je dis, mais le mec, il va pas tenir. Il sait pas nager. Il savait pas nager. Il savait plonger avec un harpon en bois pour essayer de ramasser du poisson pour sa famille. Mais nager en nage longue distance, il savait pas faire. Et on voit cette tampa qui nage la tête hors de l'eau comme ça. On va le voir un petit peu tout à l'heure dans la vidéo, vous allez voir. Et il plonge. Il regarde Arnaud comment il nage par en dessous. Et il commence à tirer les bras. Replonge. Commence à tirer les jambes. Et il se met au même rythme qu'Arnaud. Nous, mort de rire, on imaginait qu'il allait tenir une demi-heure ou une heure. Au bout d'une heure, le papou est encore là. Au bout de 2 heures, le papou est toujours là. Au bout de 3 heures, notre papou est toujours là. Là, il commence vraiment à être fatigué. On lui donne nos produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents. Et quand on est arrivé en Indonésie, au bout de 7h35 de nage, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un papou. C'est extraordinaire, non? Tout est possible. »
Et quand je vous dis qu'on a envoyé ces premières images à France Télévisions, et vous allez voir qu'il y a énormément de destins ou de chances, j'en sais rien, je ne sais pas comment le nommer. On envoie ces images à France Télévisions et Georges Pernoud, qui passe par là, regarde ces premières images. Et nous, déjà, on est parti pour traverser la mer Rouge entre l'Égypte et la Jordanie. Et là, il y a notre chef d'expédition qui nous dit « Hé les gars, il y a Thalassa qui veut un documentaire. » Moi, tout heureux, j'imaginais un 26 minutes, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Ou alors, si le Père Noël était passé, un 52 minutes. Et notre chef d'expédition continue sa phrase, il nous dit « Thalassa veut un documentaire et ils veulent un 110 minutes. » Ça sera le premier 110 minutes de l'histoire de la télévision. Il est passé le 30 novembre 2012 et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Tout est possible. Tout est possible. Je vous laisse regarder la bande-annonce de Nager au-delà des frontières et je reviens à vous tout de suite. Regardez. Merci beaucoup. J'ai oublié une question. Une question toute bête, toute simple. Qui a vu le film Intouchable ? Ah, tout le monde, d'accord. Okay. Qui a vu Nage au-delà des frontières ? Merci. je me suis trompé de salle ? Non, c'était là. Ok, d'accord. On ne sait jamais, parce que des fois... Bon, vous l'avez bien compris, avant d'en arriver là, avant de traverser la Manche, de relier les cinq continents à nage, d'être pilote sur le Dakar en 2017, de sauter en parachute, de pratiquer la plongée sous-marine, de faire en sorte de vivre une aventure avec une équipe et de me sentir vivant, tout a commencé pour moi le 5 mars 1994. C'est en voulant apporter au mien le meilleur qu'il m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé allait arriver et la maison était trop petite, il a fallu déménager. Et sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. Et je me suis dit, je vais quand même pas laisser cette antenne sur le toit. Enfin, j'ai pris une échelle d'aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Vous voyez ces grandes maisons tourangelles avec ces toits en ardoise. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité. J'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, ça passe, il n'y a pas de raison. Je déboulonne mon antenne, je la tiens très très fort avec les mains, et à un moment donné, j'ai pas assez de force. Et pour avoir plus de force, je vais poser mes deux tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la Terre, et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias, et là, le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé, enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé, puisqu'ils ont rallumé 3 fois le courant. Au premier impact, c'est un arrêt cardiaque, je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Deuxième impact, je reviens à moi. Et là, à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et là, ils vont faire une erreur assez incroyable. Ils vont rallumer le courant, mais une troisième fois, mais manuellement cette fois-ci. Et là, je vais rester sous tension. Et il y a un voisin qui a eu un réflexe incroyable. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants. Il a pris un extincteur dans le restaurant d'à côté. Il est monté à l'échelle et il m'a éteint à 2 reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un petit clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus super potes, hein, vous comprenez pourquoi. Hein. Et là, les pompiers arrivent, on me descend de l'échelle, on m'emmène direction le terrain de foot du village. La nuit est tombée, on me met à l'intérieur de l'ambulance du SAMU et tout le monde est là pour me sauver la vie, mais personne ne me parle réellement. Et là, j'entends, j'arrive pas à le piquer à droite, essaye à gauche, on va le perdre, fais quelque chose. Et moi, je leur crie dessus, je dis, mais foutez-moi la paix, endormez-moi, je ne veux plus rien entendre, je veux juste dormir, faites quelque chose, endormez-moi. Et là, dans les haut-parleurs de l'ambulance, j'entends le pilote d'hélicoptère qui arrive. Et qui demande au médecin urgentiste, il dit, écoutez, j'arrive sur le village de Saint-Rémy-sur-Creuse, allumez la lumière du terrain de foot, je vais me poser sur le terrain. Et là, le médecin urgentiste lui dit, écoute, on va avoir du mal à allumer, il a tout fait sauter le gars. Ça va être un peu compliqué. Bon, il lui a pas dit tout à fait comme ça, mais... Et là, le pilote répond au médecin urgentiste, il dit, bah, écoutez, moi, avec un hélicoptère, j'ai pas le droit de me poser dans la nuit, je fais demi-tour, je rentre à la base. Et le médecin urgentiste lui dit, écoute, si tu t'en vas, il est mort. Fais un choix. Et lui aussi. Dans un réflexe aussi incroyable, il a demandé aux ambulances de se mettre en rond, d'allumer les gyrophares, de mettre le maximum de voitures, et il allait se poser au milieu d'eux. Ce qu'il a fait, on met à l'intérieur de l'hélicoptère, le médecin urgentiste monte avec moi, on met un casque sur les oreilles, ça fait environ 1h30 que l'accident a commencé, et là, c'est la première personne qui me parle vraiment. L'appareil décolle et j'entends « Bonsoir Philippe », avec une voix toute posée. Je m'appelle Jean-Philippe Guérin, je suis le pilote d'hélicoptère, mon garçon. Et là, bizarrement, le gars commence à me raconter sa vie. Il m'explique que depuis tout petit, il rêvait d'être pilote d'hélicoptère. Alors il est rentré dans la gendarmerie pour devenir pilote. Et que là, il avait pris tous les risques pour venir me chercher. On va le décaler un petit peu, ouais, j'entends que ça gratte. Je me suis bien rasé ce matin pourtant. Mais... Enfin, on m'a rasé ce matin, mais... Maman, t'as du mal de le faire encore. Et donc, il m'explique qu'il rêvait, depuis tout petit, il rêvait d'être pilote. Et je me sens bien à l'écouter. Bizarrement, j'ai plus mal. Je me sens tellement bien que mon cœur s'arrête. Le médecin urgentiste me redonne du courant. Je pense que j'étais en manque déjà, il m'a fallu une dose.
Et pendant le voyage, je vais faire deux arrêts cardiaques. Deux fois, il va me remettre du jus pour me ramener à la vie. Et à chaque fois, le pilote, il va pencher l'hélicoptère. Et la voix calme et apaisée commence à s'énerver en me disant « Hé, mon gars, j'ai pris tous les risques. Tu restes avec moi maintenant. Tu vois la lueur là-bas. C'est tour. Tu restes. Je reste avec moi, mon garçon. » Et l'appareil se pose à tour. Le pilote descend de l'appareil, me fait un petit geste de la main pour me dire au revoir. Et pour, à lui aussi, pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus aussi super potes. C'est bizarre maintenant que j'y pense. À chaque fois que je fais un clin d'œil à quelqu'un, on devient super potes. Je dis ça. Et là, je vais rentrer dans le service des brûlés à Tours. L'anesthésiste va arriver avec la petite seringue magique. Et enfin, il va m'endormir. Enfin, c'est le soulagement. Pour moi. Et pourtant, ça va être que le début de l'enfer. Pour mon père, ma mère, mon frère et mon épouse, c'est à eux que va revenir la décision. Moi, je vais dormir. Imaginez un père, une mère, un frère ou une épouse, on va leur dire, on est désolé. Dans les premiers jours, on ne peut pas sauver le bras gauche. Quelques jours plus tard, on leur dira, malheureusement, le bras droit, on n'arrive pas à le garder. Encore quelques semaines plus tard, on leur dira, la jambe droite n'est pas viable. Imaginez cette souffrance. Moi, j'ai une petite phase de réveil, la première nuit, j'en ai pas le souvenir. C'est ma maman qui me l'a raconté. Elle est derrière la vitre stérile. Moi, j'ai une petite phase de réveil de quelques secondes. Est-ce que c'était un restant d'humour de ma part, où j'avais compris ce qui m'était arrivé et que je voulais les protéger? J'en sais strictement rien parce que j'ai pas ce souvenir. Maman me dit, ça va mon garçon? Et d'après eux, j'ai eu le temps de répondre, je dis là, je crois que je suis cuit-cuit. Et bim, je suis dormi dans le cirage, je me suis mis à dormir. Une nuit, j'ai une petite phase de réveil qui n'était pas programmée. Et je me réveille, c'est la nuit, il y a des machines partout. Et derrière moi, il y a un robinet qui fuit. Et j'entends, clouc, clouc, clouc. Ben, j'ai soif, moi. Vous êtes d'accord avec moi, quand on est à l'hôpital, on a soif. Ben, je vais me lever. Ben, il est où le bord du lit? Peut-être que de l'autre côté, mais pourquoi? Je veux m'appuyer sur ma jambe, l'alarme se met en route, l'infirmière arrive, elle me dit non, c'est pas maintenant. Mon cerveau n'a pas encore pris conscience de ce qui m'est arrivé. Et je vais me réveiller réellement 2 mois après. Et quand je me réveille, effectivement, je me rends compte qu'il manque 2 bras, qu'il manque 1 jambe. Effectivement, que je vais crier, je vais pleurer, je vais hurler. Mais il restait la jambe gauche. Alors c'est peut-être mon côté très optimiste. Vous allez me dire, il exagère quand même. D'ailleurs, il y a un journal économique qui m'a élu homme optimiste 2017 en électron libre. Pour un gars qui est électrocuté, j'ai trouvé ça sympa. Sérieux. Je les ai appelés, je dis c'est une blague. Et là, je m'accroche à cette jambe. Et quelques jours plus tard, une délégation de médecins rentre dans ma chambre et m'explique que malheureusement, la moelle osseuse est brûlée et qu'on ne peut pas la garder, on va l'enlever. Et là, effectivement, je vais demander pardon à la mort. Je vais dire, j'ai lutté contre toi, je veux de l'accident, mais quelle va être ma vie aujourd'hui au sein de ma famille? Est-ce que je peux exister? Est-ce que je peux exister encore au sein de la société? Vous savez, quand vous rentrez dans l'univers du handicap, ou qu'il vous arrive une tuile, que ce soit dans le monde de l'entreprise, ou à la famille, ou une peine de cœur, c'est le même processus. On a 5 phases à franchir. 5 phases obligatoires. La première, je crois que je viens de l'expliquer un petit peu, c'est la négation. On refuse ce qui vient de nous arriver. Mais non, c'est pas moi. J'ai que 26 ans. Je vais me rendormir et quand je me réveillerai, j'aurai des bras et des jambes. On refuse ce qui nous arrive. Vous savez, avec les fameux pourquoi, qui n'a pas eu des pourquoi dans sa vie? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Ils font juste partie du processus de guérison. Ils sont juste là pour voir sceller les pourquoi. Ensuite, vous avez la phase de négociation. Une fois que la famille est partie, le personnel soignant est parti, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous négociez entre vous et vous. Il y a une partie de votre cerveau qui dit « laisse tomber, c'est cuit ». Et il y a une autre partie, une petite étincelle quelque part qui dit « attends, peut-être que ». Vous négociez, tout seul. Ensuite, vous avez la fameuse phase de dépression, la phase de colère et la phase du retour à la vie, l'acceptation. Moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases grâce à ma famille et à mes amis. Ils m'ont aidé, ils m'ont reconstruit. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ma phase de colère, par exemple, parce que ce que je viens de vous expliquer là, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou toute la vie, si on n'a pas la chance d'avoir le soutien. Moi, ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Pourquoi? Parce que j'ai accepté trop vite. Je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Tout le monde était là pour essayer de me ramener à la vie. J'avais un psy à l'ancienne, ce que j'appelle le psy à l'ancienne, vous savez, le calepin et le stylo. Alors j'avais un médecin-chef qui était très très dur, qui rentrait dans ma chambre. « Bon Philippe, on n'a pas coupé assez haut, à tel rebloc. » Je poum. Gloups. Et après, il y a eu le psy à l'ancienne qui rentrait. « Ça va ?»« Bah non. » Puis après, le gars, il s'assied à côté de vous, il est là, et puis il parle plus, il est là. « Et quoi d'autre ?»« Bah rien, va-t'en. » Je pense qu'il voulait que je rentre dans une phase importante. Il voulait que je rentre dans ma phase de colère, que je m'exprime. Que j'exprime ce que j'avais en moi, mais rien ne sortait. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Tout le monde dans ma famille est venu tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Je pense que si je suis là aujourd'hui, je dois à une personne, enfin à beaucoup de personnes, mais une en particulier, c'est ma grand-mère.
Ma grand-mère était un pilier dans ma famille. Ma grand-mère était une Bretonne. Elle habitait à Guichin, là. Et donc, elle avait un caractère très, très breton. Et ma grand-mère m'a élevé aussi un petit peu. Et elle est venue derrière la vitre stérile. Elle m'a dit, allez, mon petit garçon, je te ferai du fromage blanc et de la banane écrasée, comme quand tu étais petit. Ça n'a pas fonctionné. Mon père a tenté sa chance, ça n'a pas fonctionné. Mon frère, ma mère, rien n'y faisait. Je voulais parvenir. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance. Sa petite phrase anodine, lui aussi. Et qui me dit, écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Toi, tu es encore vivant, mon garçon. Il y a Jérémy qui t'attend, mon grand garçon. Et il continue sa phrase, il me dit, il y a aussi Grégory. Parce que mon petit bébé, il est arrivé au monde en même temps que moi. 2 mois après mon accident, quand je suis revenu au monde, mon petit bébé, il est arrivé en même temps que moi, le même jour. Et il me dit, cette phrase peut-être anodine pour lui, il me dit, tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux petits garçons? Et pour moi, c'était une nouvelle fois un coup de jus, mais virtuel. J'ai dit, ouais, mes deux petits gars, quoi. Même si je suis un papa comme ça, je peux encore dire, hé, va ranger ta chambre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. D'où le titre de mon premier livre, j'ai décidé de vivre et de me battre. Mais avant de continuer, vous expliquer que après je suis parti en centre de rééducation, il faut que je vous explique une chose importante. Mon père. Mon père a fait une erreur monumentale. Mon père a fait une erreur stratégique. Mon père a voulu me protéger. Trop me protéger, certainement. Vous savez, mon père, c'était le chef d'entreprise de la famille. C'était le manager des amis. Il prenait les informations au service médical auprès des... et il les redistribuait. Et mon père, vu qu'il a voulu me protéger, et vous allez voir que certains vont se reconnaître certainement, l'isolement d'un chef d'entreprise, l'isolement d'un manager, il avait dit à ma famille, à mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe en milieu stérile, je veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on lui montre qu'on va être une famille forte, qu'on va être des amis soudés pour lui. Le premier qui pleure devant lui, je vous préviens, ça sera entre lui et moi après. Alors imaginez, derrière ma vitre stérile, moi sur mon lit d'hôpital, vous voyez mon père arriver, ça va papa, il tenait environ 30 secondes, je vais fumer une cigarette. Pff. Je ne vous raconte pas la vitesse où passait ma mère, j'onge à papa. Et c'était un défilé comme ça, tout le monde passait devant la vitre, ceux qui tenaient les plus courageux tenaient environ 1 minute, et ils partaient vite, ils avaient soif, ils voulaient prendre l'air, ils avaient quelque chose à faire d'extraordinaire. Et moi, derrière ma vitre stérile, j'étais là, mais tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne pleure. Mais ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi, il ne faut pas que je leur montre ma douleur. Et on a joué ce rôle pendant 7 ans. Jamais personne n'a parlé de l'accident, jamais personne n'a parlé de sa propre douleur pendant 7 ans. La pire des saloperies qui puisse exister sur la Terre. Ne pas parler, ne pas communiquer entre l'équipe. Et donc, je vais quitter ce milieu stérile, où je suis resté 3 mois, j'arrive à Valenton dans le 94, je rentre dans le bureau du médecin-chef et le gars il me dit, écoute Philippe, dans l'état où tu es, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. Et ça, vous l'avez compris, c'était pas trop le genre de conneries qu'il faut me dire. Parce qu'à partir de ce moment-là dans ma vie, je vais fonctionner par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à vivre. Et j'ai regardé ce médecin-chef, je lui ai dit, vous savez quoi? Dans 5 mois, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans 5 mois, je serai debout pour ma grand-mère. Mais ça va être compliqué, mais je dis, on verra. J'avais 2 heures de rééducation le matin, 2 heures l'après-midi. Et la première semaine, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la patate. Le médecin me reconvoque et dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il se passe quoi? Je dis, il se passe que mon petit bébé, il a 300 km. Mon épouse, elle a 300 km et mon grand garçon, il a 300 km. Ils ont fait une réunion, ils m'ont rappelé après, ils m'ont dit, écoute, fais venir ton épouse, elle a 3 mois d'arrêt de maternité, on va préparer une chambre pour ta petite famille, ton petit bébé, ainsi de suite. Imaginez un bébé dans un centre de rééducation, il faisait tous les services, le bébé. Et là, j'avais une énergie folle, je faisais 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, après je fonçais vite dans ma chambre, je donnais à Muriel de me tenir les jambes, je faisais abdos dorsaux. Pendant ce temps-là, les prothésistes m'avaient fabriqué des grosses prothèses, c'est des prothèses monobloc, c'est des prothèses qui ne sont pas faites pour marcher. Alors vous remontez jusqu'aux fesses, elles pèsent 1 tonne, elles sont faites pour vous mettre sur un plan incliné où vous êtes sanglé, et on vous remonte de quelques degrés chaque jour, tout doucement. Et un jour, j'avais moi mon objectif à atteindre, hein, j'étais tout seul dans la pièce, pas de médecin, pas de kiné, et j'avais remarqué que le bouton il était juste à côté de mon bras. Bah, je vais accélérer le truc, moi. Poum, j'appuie sur le bouton. Oula, à la verticale. Poum. Je suis tombé dans les pommes. Je me suis engueulé par les kinés, les médecins. Mais j'avais un objectif à atteindre. Et 4 mois après mon arrivée, j'avais fini ma verticalisation. Et j'ai demandé à 2 kinés de me sortir de mon fauteuil en me mettant ces 2 grosses prothèses. Ils m'ont tenu comme ça pour pas que je tombe. J'avais un kiné à droite, un kiné à gauche. Et pour l'anecdote, ils m'avaient mis entre les barres parallèles. Oh, pardon. Ils ont enlevé les barres parallèles. Ça devait être un réflexe chez eux. Et il y avait mon petit bébé qui était dans son landau. Muriel qui filmait avec une petite caméra, parce que c'était mon premier pas, et il me tenait comme ça pour pas que je tombe, et là je me suis penché sur la gauche comme ça, tout doucement. La jambe droite a commencé à bouger, je suis parti vers l'avant, et j'ai fait un pas cette journée-là. J'ai regardé mon petit bébé, j'ai fait yes. Et 1 mois après, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents,
Je suis retourné à Saint-Rémy-sur-Creuse, là où j'ai eu mon accident. La salle des fêtes était comme là, pleine à craquer. Il y avait toute la famille, les amis qui étaient au rendez-vous. Personne ne savait que j'arrivais. Je suis arrivé en surprise en ambulance avec un des kinés pour qu'il me mette ses grosses prothèses. Il n'y avait que mon père et mon frère qui étaient au courant pour qu'ils me tiennent, pour pas que je tombe. Et on est rentré dans la salle, ils m'ont mis ces grosses prothèses monstrueuses. Je n'avais toujours pas marché. Les deux portes se sont ouvertes et je suis rentré en marchant comme ça. Et là, je me suis arrêté. Je dis, oh zut, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex, moi. Et je suis rentré dans les bras de ma grand-mère, je lui ai fait un gros bisou. Tout le monde pleurait, moi aussi, et j'avais réussi mon premier pari dans ma vie. Marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Tout est possible, je vous l'ai dit au début. Je vous l'ai dit au début, l'impossible, c'est juste une seule personne. Je l'ai découvert en centre de rééducation que l'impossible n'existait pas, que l'impossible, c'était juste nous. Je vais rester dans ce centre de rééducation à peu près 18 mois, et après, je vais aller dans un autre centre de rééducation que vous connaissez certainement, le centre de Carpap, en Bretagne. Extraordinaire. J'avais vécu 18 mois dans une zone industrielle à Paris, et j'arrivais à Carpap en Bretagne avec une chambre vue mer. C'était extraordinaire, et surtout là-bas, j'ai rencontré mon mentor, l'homme qui a changé ma vie, l'homme qui a changé mon regard. Pour être honnête, j'avais peur. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter le monde extérieur. Et je m'en souviendrai toujours, j'arrive avec mon fauteuil électrique dans le bureau du docteur Bunel à l'époque, et je rentre dans son bureau et le gars il me dit tu sais pisser tout seul ? Je fais waouh ! Je dis on se dit pas bonjour d'abord, enfin je sais pas, une phrase quoi. Et le gars il continue, il me dit je t'ai posé une question simple, tu sais pisser tout seul ou pas ? Je dis non, j'ai besoin d'un coup de main. Il dit manger, tu manges seul ? Je dis non, j'ai besoin d'un coup de main. Il dit mais t'as fait quoi à Paris ? Bah des prothèses, je marche. Il dit, t'es là pour 3 semaines pour ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu auras ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu sauras manger seul, tu sauras pisser seul, tu sauras faire ça, ça, ça. Une liste incroyable. Et surtout, après, dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué interdit. Il m'a regardé, il m'a dit, va l'ouvrir. Et moi, tout timide, je dis, mais pourquoi voulez-vous que j'ouvre la porte ? Enfin, c'est quoi le but ? C'est quoi l'intérêt ? Et il a continué sa phrase, il m'a dit, parce que pour toi, aujourd'hui, mon garçon, rien n'est interdit. Fais ce que tu veux. T'es propriétaire de ta vie. Et surtout, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher. Ose les choses. Tente ta chance. Demande le coup de main aux gens. Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Enfin, pas tout de suite, tout de suite. Parce que le plus dur dans ce que je viens de vous expliquer, c'est pas l'accident. Encore quoi que peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, ça c'est un autre détail. Ça, ça a été violent. Ouais, je sais, celle-là, je la place tout le temps, mais... Le plus dur, c'est pas l'accident. Le plus dur, c'est pas le centre de rééducation, même si c'est des litres et des litres de larmes et des litres de sueur. Le plus dur... Le plus violent, c'est le retour à la maison. Il n'y a rien de pire. J'ai vécu pendant 2 ans en milieu hospitalier, vous avez une petite sonnette, les infirmières, les aides-soignantes, tout va bien. Et quand vous rentrez à la maison, la famille est là, les parents sont là, le premier jour, la première semaine, le premier mois, mais après, tout le monde reprend sa vie, c'est normal. C'est moi qui ai eu un accident, c'était à moi d'apprendre. Et je n'ai pas compris le message du docteur Bunel tout de suite. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, dans mon avant-dernier livre, avec une préface de Boris Cyrulnik, où je traite de la résilience, c'est ma phase gros con. C'est ma face tout médue. Chérie, j'ai soif. Bah bien, enfin, non, il y a un truc à la télé. Parce que quand je suis rentré à la maison, j'ai dit bonjour à une amie. La télévision. Je me levais de bonne heure le matin, vers 14-15 heures, et je me couchais vers 3-4 heures du matin. Et pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. J'avais encore peur du monde extérieur. Je me suis renfermé sur moi-même, et donc je regardais la télé en permanence. Je mangeais devant la télé, je faisais pipi devant la télé. J'avais oublié que j'avais une famille. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie. Chose que, enfin, elle a tenu 7 ans, c'est balèze. Hein. Et donc je suis rentré dans ma phase de colère, qui a duré 1 an, où j'ai fait des bêtises. Et la première bêtise que j'ai faite, je suis arrivé en milieu hospitalier, et dans le couloir, j'ai entendu mon père qui criait. Et j'ai entendu ma mère qui pleurait. Et je suis arrivé dans le couloir, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai vu mon père, mon frère, tout le monde arriver sur moi en criant dessus, en disant, mais nous aussi, on a eu mal. Nous aussi, on a pleuré. Et je dis, mais alors pourquoi on ne se l'est pas dit ? Pourquoi on n'a rien dit pendant 7 ans ? Vous voyez le poison que ça peut représenter ? Ne pas parler ? Ne pas exprimer sa douleur ? Je comprends que quand il y a un accident, il y a la personne qui a l'accident, mais autour c'est un tsunami. Pour la famille, les amis, plus personne sait interpréter la personne. Comment je lui parle ? Est-ce qu'il est resté le même ? Et moi je le dis souvent, je n'ai pas changé. Je suis toujours Philippe, je m'appelle d'abord Philippe, et après, accessoirement, je suis une personne handicapée, mais je ne suis pas l'inverse. J'aime toujours autant l'humour, j'aime toujours autant faire des conneries. C'est juste qu'on m'a enlevé 4 trucs, c'est tout, hein. Bon, on m'en enlevait 4 sur 5, c'est bien quand même. Mais... Et donc, ouais, je sais. Et donc, je rentre dans cette phase de colère qui va durer 1 an. Et là, je vais demander un coup de main au psy
vraiment, pour me reconstruire. Ça va durer un an avec des infirmières psy, ainsi de suite. Et au bout d'un an, je réunis ma famille, je leur demande pardon. Et je dis, excusez-moi, j'étais un gros con, mais c'était nécessaire peut-être pour que je me reconstruise. Et je redémarre une nouvelle vie. Je vis avec mes deux garçons et ça faisait 3 ans quand je vivais avec mes deux petits gars. Et je me suis dit, mais je suis pas fait pour vivre tout seul, moi. Je me suis souvenu du docteur Bunel. Ose, tente ta chance, mon garçon. Alors on vit une époque formidable. Il y a Internet. Je me suis inscrit sur un site de rencontre, sur Mythique. Bon, j'ai mis une photo, mais avec ma tête. Hein. Pas tout de suite, quoi. Première effet qui se coule, deuxième effet qui se coule. Et je discutais avec vous, mesdames. Oh, Léon, t'es un gars sympa. Qu'est-ce qu'on rigole bien. J'adore ta philosophie de vie. Oh, j'aime bien comment tu parles des enfants. Et c'est la dame, au bout de 3 ou 4 semaines, qui me disait, hey, si on se rencontrait. Oh là. Il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Tu auras un détail, pas grand-chose. Voilà, je suis une personne handicapée, ça t'embête pas, hein. Bah, réponds-moi, quoi, ça fait 4 semaines. C'était fini. J'avais dit le mot fatidique. Alors je me suis dit, je vais employer une autre stratégie. Je vais le dire tout de suite, comme ça, je serai débarrassé. Et vous savez, sur ces sites de rencontres, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on choisit ce qu'on veut. Il y a des cases. Alors, blonde, ouais, d'accord, forte, non, ça j'étais prise. Deux bras, je coche, on sait jamais, ça peut être utile. On choisit ce qu'on veut, c'est comme au magasin. Et là, vu que je m'étais ramassé un paquet de râteaux depuis quelques mois, je me suis dit, peut-être que tu as un objectif, peut-être un petit peu trop, hein, la princesse, le prince charmant et tout ce qui va bien. Peut-être fais un petit peu marche arrière, ouvre un peu les œillères, parce que tu es trop dans ton objectif et tu regardes plus ce qu'il y a à droite et à gauche. Donc, hop, 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 réfléchis un petit peu. Et là, je vous promets que j'ai vu passer une fiche, parce qu'on dit que c'est des fiches, hein. Mais alors, tout le contraire de ce que je recherchais. L'opposé, total. Je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas trop. Bon, je vais quand même lui envoyer un message, ça mange pas de pain. Et vu qu'elle m'intéressait pas trop, je lui ai envoyé un message complètement stupide. Je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. J'ai dit, mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde, hein, t'es un champion. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent soufflait vers moi, je te les ramène. Ah, divise à bordu, hop. Et là, j'ai remonté la moulinette et on s'est mis à discuter. On a passé des nuits au téléphone et un jour, elle est venue une fois à la maison, une deuxième fois. Et la troisième fois, elle est venue avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges. C'est pas le garçon qui fait ça normalement. Et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça tombe bien parce que je crois bien que moi aussi. Et vous voyez, ça fait 12 ans qu'on est ensemble avec Susanna. Susanna, elle a 3 filles. Moi, j'ai 2 garçons. On a aussi un chien bang, 3 chats, un cochon d'Inde et un poisson rouge. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que j'ai osé. J'ai tenté ma chance. Et ça a fonctionné. Et ça faisait 3 ans qu'on était ensemble avec Susanna. Et il y a mon grand garçon, Jérémy, un jour de Noël, il me dit, papa, joyeux Noël, papa. Et il m'offre une enveloppe, à l'intérieur, il y a un saut en parachute à 4600 mètres d'altitude. T'avais un vieux rêve, papa? Eh bien, tu vas sauter en parachute. Je dis, oui, c'est quand j'avais des bras et des jambes, Jérémy, ça. Il dit, oui, mais c'est bon, ça, j'ai tout organisé. Tu vas sauter à Royan. Donc, je fais un saut en parachute à Royan à 4600 mètres d'altitude. Et là, vu que c'était la première grosse bêtise que je faisais, et je l'ai fait aussi pour le petit garçon que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, Théo Curin, petit garçon qui a été amputé des 4 membres, qui est maintenant un de nos plus beaux champions handisport français. Il vient d'être 2 fois vice-champion du monde de natation. Et donc, je fais ce saut en parachute pour lui parce qu'on voulait lui financer un vélo en même temps, et le vélo coûtait 12 000 euros. Et à l'époque, j'avais appelé Jean-Luc Delarue, France 3, ainsi de suite. Donc, il y a plein de journalistes qui sont venus. En même temps, c'était facile de faire venir les journalistes parce que c'était, comment dirais-je, la première fois qu'on voyait un poulet prêt à cuire sur un avion. Ah non, 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 monsieur, non, arrêtez. Non. Il n'y avait pas de broche à l'arrivée. Non, je le vois dans son regard. Non. Et donc, je fais ce saut en parachute. Et là, il y a une journaliste de France 3 qui vient me voir, qui me dit, Philippe Croizon, vous avez fait un saut en parachute, c'est génial. C'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif? Et quand ces journalistes me posent cette question, je me souviens d'une chose que j'avais vue sur mon lit d'hôpital quand j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi. Un vendredi soir, sur mon lit d'hôpital, en milieu stérile, j'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision. Un vendredi soir, j'ai demandé à une infirmière d'allumer France 3. Un vendredi soir, 2 mois après mon accident, j'ai regardé Thalassa. Il est passé où, nageant au-delà des frontières, 16 ans plus tard? Sur Thalassa, c'est incroyable le destin, non? Et quand je regarde Thalassa, je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage. Je viens de me réveiller. Elle s'appelle Marion Hans. Elle avait 17 ans. C'était la 2e française à réussir la traversée de la Manche depuis 1875. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après pour traverser la Manche. Son rêve à cette gamine. Et moi, je suis sur mon lit d'hôpital, je regarde cette fille qui se bat contre les éléments, son équipe qui l'encourage. Allez, Marion, tu vas y arriver. Nage, Marion, nage. On est avec toi, ma fille. Tu vas y arriver cette fois-ci. Et moi, je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation. Je vois cette fille. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié. J'ai juste oublié. J'étais devenu une personne handicapée. J'étais capté par les images. J'ai fait, waouh. Pourquoi pas moi un jour?
Pourquoi moi, je ne traverserai pas la Manche à la nage? L'émission Thalassa se termine, je me réveille, je dis, oh putain, avoir du boulot quand même. Mais voilà, c'est rentré dans ma tête. Et pendant ces 10 ans, j'en ai parlé à ma famille, à des amis, mais personne ne voulait me croire. Personne ne voulait m'écouter. Je me souviens, je l'avais dit à mon père une fois, on était à Noirmoutier en Vendée, sur le port de l'Herbaudière, je regardais l'île du Pilier à large, j'étais sur mon fauteuil électrique, je dis, hey, papa, un jour je traverserai la Manche à la nage, papa. Et mon père, il ne m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, oh merde, il n'a pas que les bras et les jambes qui ont cramé. Il a dû y avoir un court-circuit, c'est ce qu'il est en train de me dire. Allez bien, mon fils, on rentre. Alors quand ces journalistes de France 3 me posent la question sur le terrain d'aviation, ben alors je lui dis, ouais, peut-être qu'un jour je traverserai la Manche à la nage. Et un beau journaliste qui se respecte, elle me dit, si un jour vous le faites, vous me le dites. Hein. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Hein. Et je rejoins Susanna et ma famille. Je leur dis même pas à eux, j'ai dit ça à ces journalistes. Et 4 mois plus tard, cette même journaliste me rappelle et me dit, voilà Philippe Croizon, je vous ai rencontré au terrain d'aviation. On aimerait vous inviter au plateau du 19-20 de France 3. Je dis, ah bon, pourquoi? Enfin, j'ai jamais fait de télé de ma vie. Bah, parce que là, il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va faire un discours sur le handicap. Et j'ai bien aimé notre rencontre au terrain d'aviation. On vous veut sur le plateau du 19-20. Je dis, ouais, mais je sais pas ce que je vais répondre, moi. Bah, dis, c'est pas grave. Bon, bah, je dis, ce sera ma première télé, j'y vais. J'arrive sur le plateau du 19-20. Le président de la République fait son allocution. Je réponds tant bien que mal, j'ai dû dire un paquet de bêtises, j'imagine. Mais la journaliste que j'avais vue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa copine journaliste sur le plateau télé, mais apparemment, pas une bonne information. Puisqu'en plein direct à la télé, elle me regarde, elle me dit, alors comme ça, Philippe Croizon, vous allez traverser la Manche à la nage? Hein? Et là, je vous promets, il y a un vieux tiroir qui s'est ouvert, plein de toiles d'araignée, plein de poussière, il y a un mot qui est sorti de là-dedans, en plein plateau télé, je vous jure, quand vous êtes sur un plateau télé, il y a votre cerveau, il fait poum, poum, poum. Il n'a qu'une hâte, c'est de se barrer. Et donc, le tiroir s'ouvre, il y a le mot qui sort de là-dedans, qui arrive à ma bouche, et je fais, oui. Et là, sur le plateau télé, je dis, mais t'es dingue, tu viens de dire oui. Et je vous jure, hein, mais c'est, vous partez en délire total. Je dis, oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Et la phrase qui est venue derrière, je ne sais même pas comment elle est arrivée dans ma bouche. Je ne connaissais personne dans mon département, je ne connaissais aucun élu. Je venais de quitter mon canapé. Et la phrase qui vient derrière, je dis, oui, d'ailleurs, il y a aussi mon département, le département de la Vienne, est à 100% derrière moi pour me soutenir. Il n'était pas au courant non plus, hein. Et là, Susanna, qui est avec moi sur le plateau télé, derrière les caméras, je sors. Je vous rappelle que ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je sors du plateau télé, elle me regarde, elle me dit, mais c'est quoi la traversée de la Manche à la nage? Et là, je la regarde, je fais, j'ai vu ça il y a 10 ans à la télé. Et on rentre à la maison, et pour la première fois de ma vie, en ouvrant l'ordinateur, je tape traversée de la Manche à la nage, et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Je dis, oh merde, je sais pas nager, moi. Je vois température de l'eau, 14 degrés. Taux de réussite depuis 1875 chez les valides, 10%. Je dis, oh la galère! Donc la première personne à convaincre, bien sûr, c'est Susanna. Je l'ai regardée avec mes petits yeux de Merlin Frit, j'ai chéri, j'y vais, mais seulement si tu dis oui, parce que sans toi, ça va être compliqué. Et par amour, et par ignorance, comme moi, elle a dit oui. Donc mon deuxième réflexe, c'est d'appeler le département de la Vienne. Allô, oui, bonjour. Et là, je tombe sur la secrétaire du président. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Philippe Croizon, j'ai un rêve, je vais traverser la Manche. Et là, elle m'arrête, elle me dit, oui, oui, on vous a vu hier soir à la télé, oui. Et elle me dit, écoutez, j'ai une consigne, faut que je vous passe le président. On savait que vous alliez appeler. Hein. Je dis, le président, comme ça, je dis, je le connais pas. Je dis, je lui dis quoi, je fais quoi? Et vous savez, on peut critiquer les hommes et les femmes politiques autant qu'on veut. On a le droit. Mais il y en a qui font vraiment le job. En général, les politiques de terrain font vraiment le boulot. Et le président Berthaud, je parle de lui comme ça parce que c'était un humaniste. Il a arrêté sa carrière parce qu'il était très fatigué, mais il était très aimé dans notre département. Et je l'ai au bout du fil, je dis bonjour président, j'étais tout timide, je savais pas quoi dire, je dis voilà, je veux traverser la Manche, il faut que je trouve des ingénieurs, des prothésistes, ça va coûter un peu d'argent. Je dis, vous croyez que mon département peut m'aider? Et j'entends une petite voix de l'autre côté qui dit, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et c'est comme ça que mon département m'a suivi. Mon deuxième réflexe, je vais voir dans ma ville, la ville de Châtellerault, je vais voir l'élu au sport. Je rentre dans son bureau, je ne le connaissais pas non plus, j'avais 40 ans, j'étais gras comme un petit lardon, j'avais jamais fait sport de ma vie. Je rentre dans son bureau, il me dit, t'as besoin de quoi? Bah, je dis, un accès à les piscines, ça serait bien déjà. Il me dit, d'accord, accès à la piscine illimité. Moi, je commence à repartir avec mon fauteuil électrique. Il me dit, tu vas où? Je vais voir mon prothésiste qui fabrique des prothèses. Ça y est, je vais nager. Il dit, d'accord, mais il dit, ton équipe, c'est qui? C'est quoi? Ben, je dis, mon équipe, c'est Susanna et moi. Je vous dis, un petit lapin de 6 semaines qui venait de naître, qui ne connaissait rien au sport. À part, bien sûr, j'étais un vrai sportif canapé, hein, vous savez, hein, la boisson gazeuse, le paquet de chips, et on engueule les joueurs de foot à la télé, quoi, le vrai, quoi. Et là, il me dit, un entraîneur, tu veux pas un entraîneur? Ben, je dis, oui, un entraîneur, ça serait bien. Il m'a trouvé un entraîneur. Vous connaissez Philippe Lucas? J'ai eu le même, mais en fille. Valérie Carbonel. Elle a eu un objectif en 2 ans. M'engueuler tous les jours. Un coach, quoi. Un vrai coach sportif. Donc, il y a Susanna, Valérie, mon département, ma ville. Ça avait une vitesse incroyable. Alors que je venais juste de quitter mon canapé.
Et donc je continue à monter l'équipe, je regarde sur internet qui a traversé la Manche à nage, et je vois Arnaud Chassery avec qui j'ai relié les 5 continents ensuite, Jacques Tusset, 2 nageurs longue distance français, je les appelle, je dis voilà, je vais traverser la Manche, j'ai besoin de vous les gars, vous avez réussi, je m'entoure des winners. Je vois qu'il y a un ancien kiné de l'équipe de France de foot dans ma ville, je vais le voir, je dis voilà, tu veux pas me préparer? Le dernier que je vais voir, c'est mon cardiologue parce que j'ai peur de lui. Je rentre dans son bureau, il me dit stop, tu retournes dans ton canapé. Parce qu'entre temps, j'avais fait 2 infarctus, vu que je faisais pas de sport et que j'avais eu cet accident. Il dit non, mais tu pourras pas traverser. Je dis si, ça y est, t'es parti, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Il dit j'ai compris, mais il dit avec le kiné, on va commencer à préparer le cœur avant que tu nages. Donc pendant 1 mois et demi, ils ont commencé à préparer le cœur, commencé à le dégraisser tout doucement. Pendant ce temps-là, mon prothésiste m'a fabriqué des prothèses de nage très vite. Trop vite. Il m'a fabriqué 2 enclumes. 3 kilos par jambe. Avec de la mousse expansée à l'intérieur en croyant que ça allait flotter. 2 pommes décathlon au bout. Et on arrive au bassin de 25 mètres. Pendant ce temps-là, je continue à monter mon équipe, un préparateur physique, et ainsi de suite. Et donc, j'arrive au bassin de 25 mètres avec toute l'équipe autour de moi. Et Susanna me met ses grosses prothèses monstrueuses. Je veux leur faire la surprise que je ne sais pas nager. Le bassin de Châtellerault fait 25 mètres de long, 4 mètres de profondeur. Susanna me met ses grosses prothèses pour ceux qui font de la plongée sous-marine, 6 kilos au bout des pattes, on est d'accord. Elle me dépose délicatement dans l'eau. Je coule. Mais à pic, hein. Pouf. Un poids, prenez un poids, vous le mettez dans l'eau, pouf, il est plus là. Et là, j'arrive aux 4 mètres, je commence à battre des pattes, j'avale 4, 5, 6 tâches, je commence à me noyer, j'arrive en haut de la surface, je dis je vais mettre sur le dos, je vais leur faire croire que je sais nager sur le dos. Je me suis mis sur le dos, je commence à battre des pattes, et là mon entraîneur me regarde et dit tu fais quoi là? Ben, je dis je nage. Elle dit non, mets-toi sur le ventre et nage. Je dis non, mais je sais pas, mets-toi sur le ventre et nage. Je me suis mis sur le ventre, j'ai commencé à battre des bras, une tasse, 2 tasses, j'ai mis la tête hors de l'eau, j'essaie, j'avance pas, ah oui, bouge les jambes. Un pantin désarticulé qui essayait d'avancer, j'ai mis une éternité pour faire 25 mètres. Au bout de 25 mètres, mon cœur voulait sortir de ma poitrine. J'étais carrément à l'époxy, j'arrivais plus à respirer. J'étais... Je m'accroche au bord du bassin. Et là, je vois la tête de mon entraîneur qui me regarde, qui fait enfin, comment c'est. Elle regarde l'équipe et dit mais tu veux traverser la Manche à la nage, toi? Et là, je l'ai regardé, je dis ouais, Valérie, quoi. Et j'ai besoin de toi. C'est vous, les professionnels. Je vous file le paquet. Transformez-moi. Je vais vous écouter. Et là, Valérie, elle me dit écoute, je dois te le dire. Je dois te laisser encore une chance. Tu l'as dit à la télé, c'est bien. Tu as monté une équipe, c'est formidable. Mais je vais te laisser encore une chance, mon garçon. Rentre chez toi. Tu as encore le temps. Rentre. C'est pas grave que tu l'aies dit. Et là, j'ai dit non, Valérie. Il faut que je traverse la Manche à la nage. C'est mon rêve. Si je traverse la Manche à la nage, je vais changer ma vie. Plus jamais je serai dans mon canapé. Fais-moi traverser la Manche à la nage, s'il te plaît. Et avec l'équipe, ils se sont consultés. Ils me regardent et disent tu veux traverser dans combien de temps? Moi qui ne connaissais rien au sport, je dis dans 1 an. 1 an, je traverse, quoi. Et là, ils m'ont dit non. 3 ans peut-être, 4 ans sûr. Je les ai regardés, je dis 3 ou 4 ans, pour moi c'est l'éternité. Je vois pas le bout du tunnel. On coupe la poire en 2. 2 ans. Dans 2 ans, je réserve mon bateau en Angleterre et dans 2 ans, on traverse la Manche. Et là, Valérie, elle me dit, écoute, on verra. Je commence les premiers entraînements. Le premier mois, je nage 1 demi-heure par jour. Au bout d'un mois et demi, j'arrive à atteindre 1 heure de nage par jour. Et au bout d'un mois et demi, tout casse. Petit fessier, grand fessier, psoas, les épaules, tout est en tendinite, tout a pété de partout. Le kiné m'arrête, 1 mois et demi d'arrêt. On m'installe sur une table avec des tendeurs partout pour tirer les tendinites, des ultrasons tous les jours, de la glace. Pour réparer le plus vite possible, au bout d'un mois et demi, je suis réparé. On me rebalance à la flotte. Et au bout de 3 heures, j'arrive à atteindre 3 heures de nage par jour. J'ai dit 3 ans, là. Hein. 3 mois, c'est mieux. Au bout de 3 mois, j'arrive à atteindre 3 heures de nage par jour. Et au bout de 4 mois, je suis à 3 heures de nage par jour. Au bout de 5 mois, je suis à 3 heures de nage par jour. Et au bout de 6 mois, je suis toujours à 3 heures de nage. Au-delà de 3 heures, je tombe dans les pommes dans l'eau. Je vomis dans l'eau. J'arrive pas à franchir cette barrière de 3 heures. Et vous savez, Valérie, elle avait un petit morceau de fer à la main. Et tous les jours, sur l'échelle en aluminium, pour j'entendre dans l'eau, j'entendais ding, 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 ding. Dès que mon cardio ralentissait ou je nageais mal, j'entendais ding, 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 ding. Oui, ok. Pff, je vais être bon aujourd'hui, je vais être bon. Oui, c'est sûr. Ding, ding. Oui, je repars. Ding, ding. Vous allez vous coucher le soir. Ding, 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 ding. Et un jour, au bout de 6 mois, il n'y a pas eu de ding, ding, ding. Je dis, ouais, je dois être super fort aujourd'hui. Et surtout, pas d'engueulade, c'était bizarre. Deuxième jour, pas de ding, 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 pas d'engueulade. Et le troisième jour, Valérie a trouvé le courage dont elle avait besoin. Et elle me dit, écoute Philippe, faut que je te parle. Et mon coach, qui était dur, qui était violent, d'un coup était calme, apaisé, même à la limite des sanglots dans la voix. Et elle me dit, écoute, l'équipe s'est réunie, mais sans toi cette fois-ci. Pourquoi sans moi? Parce que tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, tout le monde était autour de la table, les ingénieurs, les prothésistes, le préparateur physique, le kiné, tout le monde était autour de la table pour discuter chacun de son domaine, de ma transformation, pour atteindre l'objectif. Et là, elle dit, on s'est réunis sans toi et on a pris une décision, Philippe. On va arrêter. Tu ne pourras pas traverser la Manche à la nage.
Ton corps, il te le permettra pas. Tu n'as jamais été sportif. Et on a peur, Philippe. On a peur pour toi. Et là, j'ai regardé Valérie droit dans les yeux. Je dis, tu sais quoi, Valérie? Moi aussi, j'ai peur. Depuis le premier jour où je l'ai dit à la télévision, j'ai peur. Depuis le premier jour où j'ai quitté le plateau de France 3, j'ai eu peur. Quand j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai eu peur. Quand je viens tous les jours le matin à 9h dans l'eau, j'ai peur. Et depuis le premier jour, il y a un personnage qui s'est mis à côté de moi et qui m'a dit « Bonjour, je m'appelle Le Doute et je vais te pourrir la vie. » Il est là avec moi tous les jours, Valérie. Je vais te demander encore un service. Laisse-moi 2 mois. Je pars 2 mois en vacances au Portugal et quand je reviens dans 2 mois, là vous prenez votre décision et là je la respecterai, Valérie. Elle m'a dit « Va-t'en. » Les ingénieurs m'avaient fabriqué mes nouvelles prothèses. Ils avaient mis 6 mois pour les fabriquer. Je passais de 3 kilos à 700 grammes par jambe, tout en carbone et en titane. Je pars au Portugal et je m'entraîne en mer tous les jours, tous les jours. La première semaine, je suis un peu désorienté, je suis perdu. Je passe de 3 kilos à 700 grammes. Je rappelle Valérie, je dis, allô, oui, Valérie, j'arrive pas à trouver mes marques, je suis en mer, je sais pas ce qui se passe. Et là, au bout du fil, je retrouve mon entraîneur. Tu m'as dit 2 mois, au revoir, boum. Et elle a raccroché. Et au bout de 2 mois, je sais ce que je suis capable de faire. J'arrive au bassin de 25 mètres à Châtellerault. Elle est au bord du bassin, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est 3 heures. J'ai fait les 3 heures. Je me suis accroché au bord du bassin, je dis alors, on y va Valérie, hein, ça y est, c'est parti. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a dit, on se voit demain. Je suis revenu le lendemain, elle m'a dit, aujourd'hui c'est 4 heures. J'ai fait les 4 heures, je me suis accroché au bord du bassin, je dis alors, on y va Valérie, hein, ça y est, c'est parti. Et je vous promets, elle m'a regardé, elle m'a dit, on se voit demain. Non seulement on prépare le physique, mais on prépare aussi le mental du nageur. Jusqu'où je peux le pousser le gars? C'est quoi sa limite? Et quand je reviens le lendemain, elle me dit, aujourd'hui c'est 5 heures. J'ai fait les 5 heures, c'est ce que je faisais dans mes derniers entraînements au Portugal. J'ai fait les 5 heures de nage. Et quand je me suis accroché au bout de 5 heures, au bord du bassin, il y avait Valérie, Susanna, le kiné, le préparateur physique. Il y avait pratiquement toute l'équipe qui était là et tous du même bois, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Mon gars, il y a encore 1 an et demi de travail. » Et on était reparti pour 1 an et demi de boulot. En 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation. Le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope. Je nageais dans le lac du printemps jusqu'à l'automne. Des fois, il faisait 0 degré, il tombait de la neige. Je devais nager pendant 7 heures dans le lac, et c'était Susanna qui démontait mes prothèses de marche, mettait mes prothèses de nage, me mettait dans l'eau, sortait de l'eau. C'est pas dur, les enfants à la maison, ils m'appelaient Playmobil en avant les histoires. Et pour l'anecdote, il faisait tellement froid, il tombait de la neige, elle m'apportait du thé chaud pour me réchauffer, la pauvre chérie. Et des fois, elle était fatiguée, elle prenait mon fauteuil électrique pour faire le tour du lac, il fait 4 km de circonférence, le lac. Et des fois, elle se faisait arrêter par les gens, ils disaient, parce qu'elle était dans le fauteuil, elle disait, oh, ma pauvre dame, vous êtes handicapée? Vous avez eu un accident, peut-être? Et elle répondait, non, moi, tout va bien, c'est mon mari qui nage. Comme si c'était tout à fait normal. Et on arrive le 18 septembre 2010, il est 3 heures du matin, je suis en Angleterre, à Folkestone. Mon grand garçon me réveille, je suis pas content. Je le regarde avec un air méchant, je dis, tu fais quoi Jérémy là? Il me dit, pardon papa, mais je voulais être là pour le départ mon papa. Pourquoi je suis pas content? Parce qu'aucune émotion doit m'atteindre à partir de ce moment-là. Une larme, et je traverserai pas la Manche à la nage. Une larme, et toute mon énergie va partir. Pour gérer cette émotion, j'ai fait 4 mois de sophrologie avant de traverser la Manche. Juste pour apprendre à gérer cette boule d'émotion, pour pas qu'elle me pourrisse la nage. Donc je regarde mon grand garçon, je dis, vas-y, commence tes premiers échauffements. Il étire son papa, tout doucement. Après, il me fait vite un gros bisou, il repart vite du côté français, rejoindre son petit frère et toute la famille qui a fait le voyage, les amis. Il y a 150 personnes qui m'attendent du côté français, en espérant que je réussisse la traversée de la Manche. On se dirige direction le bateau. À bord du bateau, il y aura bien sûr mon entraîneur, Valérie Carbonel. Il y aura Susanna, ma chérie, qui a tout donné. C'est pas dur, dans mon livre, il y a mon dépassement de soi, il y a aussi le dépassement de soi de Susanna et surtout le don de soi. Ma chérie, elle m'a offert 5 ans pour que je puisse réaliser mes rêves. D'abord la Manche et après les 5 continents. Et Susanna, vous savez, elle n'avait pas le droit de me parler pendant toute la traversée parce que pour gérer cette foule d'émotions, il n'y a qu'une personne qui a le droit de me parler, c'est mon entraîneur. Et Susanna, il faisait tellement froid, elle avait un bonnet sur la tête. Et au-dessus de ce bonnet, vous savez, ces petits serre-têtes ridicules avec les petites antennes, les petites coccinelles qui se battent en duel. Elle avait ça au-dessus du bonnet parce que c'était un code. Parce qu'à bord du bateau, il y aura aussi un huissier et un docteur. Pour constater que tout va bien. Et les seuls dieux à bord sont l'huissier et le docteur. Si l'un des deux dit stop, même l'entraîneur n'a pas le droit à la parole. Pour ma sécurité, c'est que le docteur et l'huissier qui ont le droit à la parole pour dire stop. Donc, tant que Susanna avait le serre-tête, ça voulait dire que l'huissier et le docteur ne voulaient pas m'arrêter. Il y a bien sûr Arnaud Chassery, Jacques Tusset, les deux nageurs longue distance avec qui je me suis entraîné, un dans le nord et un dans le sud de la France. L'huissier et le docteur, je l'ai dit, et les deux pêcheurs anglais avec leur bateau. On se dirige vers la plage de Sampire Haut. Arnaud me donne ses derniers conseils, Jacques me donne ses derniers conseils, et Valérie a une phrase, mon entraîneur complètement folle à ce moment-là, vient me voir, elle me dit, écoute Philippe, même si tu vas pas au bout, je suis fier de ce que j'ai fait avec toi en 2 ans. Je suis vraiment fier d'avoir travaillé avec toi. Et là, la boule d'émotion a commencé à monter, je l'ai regardé, je dis, tu fais quoi là? Ils m'ont mis dans un drap, ils m'ont déposé délicatement dans l'eau, j'ai nagé direction les côtes anglaises, j'ai posé mes fesses, j'attendais le top départ. À 6h du matin, pétote, heure anglaise, Susanna a préparé la corne de brume, elle a allumé le téléphone pour que tout le monde entende du côté français. L'huissier a préparé le chronomètre et à 6h du matin, j'ai entendu « POUP !»
C'est maintenant, mon gars. C'est maintenant que ton destin peut changer. Alors nage. Vitesse du courant, 12 km/h. Ma vitesse de nage, 2,5 km/h. Je suis un petit morceau de paille qui est personne vers la mer du Nord à une vitesse incroyable. Mes pulsations cardiaques montent à 160, 170. Alors je me suis entraîné pendant 2 ans à 120, 130. Ne pas dépasser 120, 130 pulsations par minute. Et là, je suis à 160, 170. Pendant 1h30, je suis dans le courant anglais. J'arrive pas à m'extraire. Et à chaque fois, je ravitaille toutes les 30 minutes, environ 30 secondes, boire et faire pipi en même temps. Ça aussi, c'est de l'entraînement. Je suis sûr qu'il y en a qui vont essayer. Et là, toutes les 30 minutes, il y a toute mon équipe qui est là, qui a un large sourire. « Ouais, t'es super bon, Philippe, on est avec toi !» Alors que moi aussi, j'ai un cardio. Je sais que je suis en train de griller mes cartouches, qu'il y a une longue distance à faire. Et au bout 1h30, j'arrive à m'extraire des côtes anglaises. Et là, je prends mon rythme de croisière. Et à partir de ce moment-là, j'ai compté. J'ai compté, j'ai écouté mon corps. 1, 2, 3, bateau. 1, 2, 3, tiens, Suzanne est derrière. 1, 2, tiens, tiens, elle est passée devant. 1, 2, oh là là, discute avec l'huissier. Ne pas penser. Malgré tout, des fois, je pensais à Jérémy et Grégory, mes deux petits garçons qui m'attendaient, la boule d'émotion montée. Je dis, non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Sophrologie, je respirais, le médecin à bord du bateau disait à Susanna, hey, Philippe, il a un problème. Susanna dit, non, il a dû avoir une boule d'émotion. Ou alors, je pensais à mes premiers 25 mètres à la piscine de Châtellerault, j'ai failli me noyer, je ne savais pas nager, la boule d'émotion montée. Je dis, non, pas maintenant. Le plus gros combat dans la traversée, c'était de lutter contre cette boule d'émotion. Et au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai des coliques, j'ai froid, j'ai très très froid. Mes pulsations cardiaques passent de 120 à 110, 100. 90, je suis en train de m'arrêter. Le froid est en train de m'attaquer et c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. Vous l'avez compris, hein, au début de l'aventure, on est deux, Susanna et moi. À la fin du projet, en 2 ans de temps, il y a pratiquement 200 personnes qui ont travaillé sur le projet. Les gendarmes en Charente-Maritime, là encore une fois, j'ai osé. Tente ta chance, va vers les autres, demande un coup de main. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Bonjour monsieur le ministre, vous voulez bien me prêter les gendarmes en Charente-Maritime pour que je m'entraîne en mer? Puis si par la même occasion, vous avez l'hébergement et la nourriture pour mon équipe, ça serait bien. Et j'avais reçu une réponse positive. Je me suis entraîné avec les gendarmes en Charente-Maritime. Incroyable. Alors, je n'étais pas connu ni rien. Et combien de chefs d'entreprise j'ai appelé pour avoir des sponsors, des partenaires? Et je tombais sur la secrétaire. Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Philippe Croison. Je veux traverser la Manche à la nage. Waouh, c'est un super défi. Je recherche des sponsors. C'est intéressant. Il y a un autre détail. J'ai pas de bras et pas de jambes. Envoyez un mail. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Envoyer un mail. Excusez-moi, je vais dire un gros mot. Internet, le téléphone, c'est de la merde. Ça marche pas. À chaque fois que j'ai eu un chef d'entreprise qui m'a accordé sa confiance, c'est quand j'ai réussi à ouvrir sa porte et que j'étais en face de lui. Et je lui dis, s'il te plaît, viens avec moi. Et ton équipe va être avec moi. Quand je vais être malade au milieu de la Manche, c'est la confiance que tu vas m'accorder qui va m'emmener au bout. Et quand je suis malade, que j'ai des coliques, que je suis pas bien, il y a 200 personnes qui me gueulent dessus. Hey, mon gars, on t'a fait confiance! Alors reprends. Et là, dans ma tête, je revois les images de Marion Hand sans mon lit d'hôpital, son équipe qui l'encourageait. Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage Marion, nage. Et dans ma tête, j'entends mon équipe qui me crie dessus. Allez Philippe, c'est normal que t'aies froid. Reprends tes pulsations. Nage mon gars, reprends ton rythme. Et je reprends mon rythme de croisière. Mon énergie est revenue. Ça fait 13 heures que je nage. La nuit est tombée, une nuit noire sans lune. J'arrive à mon dernier ravitaillement. Et surtout, la tempête était arrivée. Là, à chaque ravitaillement, c'était un enfer. On tombait dans des creux de 2 à 3 mètres de haut. Pour ceux qui font de la navigation, des creux de 2 à 3 mètres, je vous promets, quand vous nagez là-dedans, c'est juste l'enfer. Et j'arrive à mon dernier ravitaillement, la nuit est tombée, une nuit noire sans lune. Mon premier réflexe, comme je fais d'habitude, c'est de regarder Susanna. Et elle a plus les deux petites coccinelles qui se battent en duel. Et là, mon cœur commence à battre la chamane encore plus fort. Et là, mon entraîneur me parle très très fort parce que les vagues sont tellement puissantes, j'ai du mal à ravitailler, j'arrive même pas à boire. Et là, elle me crie dessus, elle me dit, Philippe, c'est fini, c'est fini. Je dis, qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est fini? Elle me dit, l'huissier, le docteur veulent t'arrêter. Et elle continue la phrase, elle me dit le mot que je voulais pas entendre. Elle me dit, t'arrives sur le Cap Griné, Philippe. Pour ceux qui connaissent le nord de la France, entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné, il y a 20 km de plage pour que j'arrive. 20 km de long. Le courant et la marée a décidé de m'emmener où? En plein sur la falaise, en plein dans les roches et en pleine tempête et en pleine nuit noire. Et là, j'ai regardé Valérie, je dis, tu peux pas m'arrêter, Valérie. On n'en a pas bavé comme ça pendant 2 ans pour que tu m'arrêtes maintenant. Je venais de nager 38 km. J'étais à 800 mètres des côtes françaises. L'huissier et le docteur avaient tellement peur qu'ils voulaient m'arrêter à 800 mètres des côtes. Et là, Valérie, elle m'a regardé, elle m'a dit, nage. Nage comme tu n'as jamais nagé de ta vie, Philippe. Parce que dans quelques minutes, il y a le renverse de courant et tu vas repartir direction l'Atlantique. Et là, on ne pourra pas te rattraper. Ça va être trop, trop violent. Ça veut dire 6 heures de plus de nage. Et là, je suis parti comme un fou dans ma tête. Je dis, non, je vais échouer. Mes pulsations cardiaques remontent à 160, 170. J'arrive même plus à respirer. Jacques se jette à l'eau. Arnaud se jette à l'eau. Un à ma droite, un à ma gauche. L'huissier monte sur une petite embarcation avec un des deux pêcheurs pour constater que je vais toucher la côte française. Et Jacques, tu sais, vous voyez, chez Jean Reynaud, dans le Gros Bélus, ce monstre,
C'est un moment de bras dans la mer, il vous raconte sa vie, ce mec-là. Vas-y, Philippe, plus vite, reviens vers moi, à gauche, à gauche, à gauche, fonce, fonce, fonce. Pouf, il replonge dans les vagues. Et moi, je suis un pantin désarticulé, les vagues me balancent dans tous les sens. Je suis là, non, non, non. J'essaie de lever la tête, j'essaie de voir le cap griner, je vois rien, il fait trop noir, je replonge dans les vagues. Lui ici, qui avait pratiquement pas parlé pendant toute la traversée, il était là sur le petit bateau. Allez, Philippe, plus vite. Et là, au bout de 26 minutes, j'ai entendu Jacques crier « Philippe, Philippe, je suis sur un rocher !» J'ai arrêté de nager, je me suis retourné, j'arrivais même plus à respirer. Poum, la vague s'est retirée, les fesses se sont posées, j'ai fait « Waouh !» Lui ici a entendu le cri, il a mis sa grosse lampe torche, je fais « Waouh, je suis rendu !» Et là, je vous promets, j'avais rien pris d'hallucinogène, j'ai vu lui ici qui a décollé vers le ciel. Sauf qu'il décollait pas vers le ciel, c'est une grosse vague monstrueuse dans la nuit noire qui fonçait droit sur moi pour m'éclater contre la falaise. Chose que la vague n'a pas manqué de faire, ce que je vous raconte là, après 13h26 minutes de nage, ça a duré 20 secondes maximum. Philippe, Philippe, rocher, rocher. Poum. Waouh, waouh. Oh, pouf. Et Jacques et Arnaud, dans un réflexe phénoménal, ils m'ont rattrapé par le bout des palmes. Ils ont tiré un grand coup, j'avais même pas compris. Mon cerveau était tellement déconnecté, ils ont tiré, ils ont dit vite, faut se barrer de là. C'est trop dangereux, on a reparti la nage vers le large. Et là, ce que je vais vous raconter là, mesdames, messieurs, c'est tellement le coup du destin. Ou le coup du grand n'importe quoi, j'en sais rien. Le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi. Et moi, je suis arrivé à 21h26 à droite du Cap Griné. Et puis, en même temps que moi, il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné, à 21h26. Et bien, toute ma famille, mes amis, tous ceux qui ont fait le déplacement, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné. Tous. Sauf deux. Il y a mon grand garçon, il a pris son petit frère par la main, il dit « Pour moi, papa, il n'est pas à gauche. » Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi il était à l'envers de tout le monde? Tout le monde a couru à gauche. Et lui, il est parti avec son petit frère carrément à droite du Cap Griné. Il a demandé à un ami, Jacques Desroches, et une élue du département, de partir avec eux. Ils sont partis tous les quatre, pour ceux qui connaissent le Cap Griné, ils ont sauté par-dessus les barbelés de moutons, c'est immense. Hein. Ils sont tombés dans les trous d'obus en pleine nuit. Ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et surtout, ils m'ont repéré parce que moi, j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit. On m'a mis des clignotants partout, sur la tête, sur les fesses, partout. Je clignotais comme un sapin de Noël. Et quand Jacques et Arnaud m'ont tiré un grand coup comme ça pour me sauver la vie, en haut de la falaise, je ne les voyais pas, la falaise est trop haute, il faisait trop noir, j'ai entendu « Papa, papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa !» Et moi, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba, je ne les voyais pas, je dis « Moi aussi, je vous aime, mes garçons !» Et là, on me remonte à bord du bateau et je vois Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur en train de pleurer, Jacques et Arnaud en train de chialer, les deux pêcheurs anglais, tout le monde pleurait, même l'huissier, j'ai fait pleurer un huissier, c'est chouette. Et c'est à ce moment-là, quand on m'a remonté à bord du bateau, que j'ai vu tout le monde en larmes, qu'on m'a mis sur le capot moteur pour commencer à me réchauffer, que j'ai compris. J'ai compris que j'ai pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage. Et on a réussi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous l'avais dit, hein. Merci beaucoup. Merci. Je vous l'avais dit qu'on allait vivre un moment de partage. Mais avant de terminer, avant qu'on passe, je vous promets, on va vite manger. Juste mes 3 outils de résilience que j'explique dans mon livre. Je ferai une séance de dédicace tout à l'heure. Pas celui qui est là, parce que celui-là, c'est monté au dernier. C'est pas de bras, pas de chocolat. C'est beaucoup d'humour. Mais l'autre, c'est la. Les... Oh, papa, faut l'enlever. Non, j'ai pas dit humour encore. Parce qu'il y avait un mot, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait exprès. Donc mon premier outil de résilience, parce que c'est hyper important, c'était ma famille, mes amis, vous l'avez compris. Mes parents ont fait une chose extraordinaire, ils ont créé une association. Je suis une personne handicapée qui a eu énormément de chance. Aujourd'hui, j'ai des prothèses en super carbone, super légère, grâce à l'association. J'ai une voiture où je suis 100% autonome. J'ai une salle de bain où je suis 100% autonome. Mes parents, ma famille, mes amis m'ont fait la chose la plus importante dans ma vie. Ils m'ont offert mon autonomie. Mon deuxième outil de résilience, vous l'avez compris, l'humour, il y a un dessinateur qui a fait un dessin, il y a marqué « Il traverse la Manche sans bras changeant », mais le requin, il dit « Oh merde, c'est vraiment la crise ». Juste après la traversée, on est en 2010, hein, je vous rappelle, hein, juste au début de la crise. Et c'est le dessinateur large, je l'ai appelé, le gars, il pensait que j'allais le pourrir, j'allais l'engueuler. Et je lui ai dit « Non, juste merci, parce qu'il m'a fait hurler de rire son dessin ».
C'est vrai qu'il est bon quand même. Et mon troisième outil de résilience, vous l'avez compris, celui qui m'a permis d'être là ce soir avec vous, le sport. Le sport m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel. Le sport m'a permis de comprendre qu'on pouvait discuter tous ensemble et demander un coup de main aux gens. Et que ça fonctionnait. Et qu'avec une équipe, même si 99% des gens vous disent « c'est pas possible », y a 1% qui y croit. Le 1%, c'est vous et l'équipe. Et on arrive toujours à l'objectif en montrant aux 99% des gens qui restent, qui sont pessimistes, que tout est possible, que l'impossible, c'est juste une seule personne, c'est juste nous. Et je terminerai là-dessus, mesdames, messieurs. J'ai un handicap qui m'embête au quotidien, mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue. Plus à cause de lui, mais grâce à lui. Et j'ai une chance inouïe. Je suis en bonne santé. Et tant qu'on est en bonne santé, c'est que du bonheur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, partie question-réponse. S'il y a besoin d'un candidat sur Mars, serais-tu partant ? Demande à SFCMM. La Lune, ce serait bien, mais Mars, c'est trop loin. Quel est ton prochain impossible ? Demande VMI. C'est aussi une question posée par CMCIC, Groubouillet et le lycée Clémenceau. Deux gros objectifs pour 2018-2019. Le premier, je suis dans l'écriture d'un spectacle, un one-man show. Enfin, ça sera le premier one-man show. Bon, Jérémy, je suis en écriture avec Jérémy Ferrari. Il m'a demandé d'arrêter cette vanne parce qu'on n'allait pas vendre de tickets. Donc voilà, il y a le spectacle. J'ai fait une conférence à Bercy il y a quelques mois. Il y avait 10 000 personnes qui étaient dans la salle et il y avait des producteurs. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses un one-man maintenant. Bon, je dis OK. Donc on est parti pour un one-man. Et la deuxième aventure, vous l'avez compris, le Dakar m'a énormément plu. Ça a été violent, ça a été difficile, mais une aventure humaine extraordinaire. Que ce soit avec l'équipe, les mécanos, ils n'en pouvaient plus. L'équipe était au bout du rouleau. Je rentrais à 1h, 3h ou 4h du matin et je repartais à 8h. J'avais 1h de kiné. Quand ils m'extrayaient de la voiture, le kiné me remettait tout en place, même le coccyx. Et après, ils faisaient des massages. Après, je mangeais et j'allais vite prendre une douche et dormir, une petite heure et après repartir. Mais l'aventure m'a tellement plu que des constructeurs m'ont proposé une voiture. Peugeot m'avait proposé une voiture pour ce Dakar-là, mais après, ça s'est pas bien fini parce qu'ils me demandaient 1,5 million d'euros. Donc je leur ai dit, les gars, excusez-moi, mais je peux pas mettre la main à la poche. Alors quand j'ai vu que c'était un petit peu ce tarif-là, je me suis dit, encore une fois, ose les choses. Donc j'ai appelé pas mal d'ingénieurs qui étaient à la retraite, qui avaient travaillé pour Harry Vatanen, qui avaient travaillé pour les Peugeot sur le Dakar, qui avaient travaillé sur les Volkswagen. J'ai appelé aussi Jean-Marc Schmitt, le meilleur motoriste qui puisse exister en ce moment. Et je leur ai dit, les gars, j'ai pas un euro, mais il faut construire une voiture. Donc on vient de faire un châssis extraordinaire. On a le châssis, on a le moteur, on a pratiquement tout. Il nous manque juste les autocollants sur la voiture. Donc le dossier est sur la table. Je dis ça au cas où. Si vous vous reconnaissez dans les valeurs que je défends et que vous avez envie d'être dans l'aventure, c'est une super belle aventure et vous le regretterez pas, mais vraiment... Donc on a deux belles voitures de course qui sont ultra performantes. Et vu que Peugeot n'est pas là, ça me laisse de la place pour courir maintenant. Donc, donc voilà, c'est les deux prochaines aventures, c'est le One Man et le Dakar 2019. Encore une fois, tout est jouable. Donc on verra bien. Merci. Alors, ouais, vous pouvez, allez-y, ça me fait plaisir. Réchauffez-vous. Comment transmettre à tes enfants ? Quelle place pour eux ? Demande Loire-Océan Manutention. Oui. Quelle est l'influence de tes exploits sur Jérémy et Grégory, demande Ports en Part. Ah, il y a plusieurs questions, faut que je m'en souvienne là. La transmission, le plus dur c'était les deux premières années pour la traversée de la Manche. Il n'y avait pas de vie de famille. C'était manger, dormir, nager pendant 2 ans. Il y avait des mariages, on a été à la cérémonie mais on n'a pas fait la fête, c'était interdit puisqu'il fallait que je m'entraîne. Les enfants sont restés à la fête, hein. Moi il fallait que je rentre dormir. Donc c'était très compliqué, les deux premières années ont été vraiment très très dures pour la famille. D'ailleurs après on a fait un énorme voyage avec tous les enfants et tout ça pour reconstruire un petit peu tout ça, retrouver un petit peu tout le monde. Et après il y a le personnage aujourd'hui qui est là, il y a le personnage public, il y a le personnage à la télévision et il y a le personnage à la maison. C'est deux personnages totalement différents. C'est-à-dire que tout ce que je fais à la télévision ou à la radio, ou là en ce moment j'ai 4 pages dans le BSD, quand je rentre à la maison ou qu'il y a une émission de télé, je ne dis pas aux enfants, on va regarder papa à la télé. Jamais de la vie. Jamais. Ce n'est pas leur univers, ce n'est pas leur vie. Ils connaissent leur papa qui est à la maison et il y a le papa médiatique, le papa, ça, il ne faut jamais mélanger les deux. Enfin, moi, j'ai voulu les protéger dans ce sens-là.
Après, dans la transmission, il y a la transmission d'autres enfants. J'ai pris plusieurs gamins sous mon aile. Théo Curin, hein, le petit Théo qui est amputé délicatement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un jour, il m'a appelé à l'âge de 12 ans. Je l'ai connu à l'âge de 6 ans quand il a été amputé. Sa maman m'a écrit une lettre. J'ai mis 6 mois pour répondre à cette lettre. Je ne pouvais pas. J'ai lu la lettre, c'était ce qui m'était arrivé moi à 26 ans à un gamin de 6 ans. Je dis, mais qu'est-ce que je peux lui dire à ce gamin? Donc j'ai pas pu répondre, j'ai mis 6 mois pour répondre à la lettre. Et quand j'ai appelé, je suis tombé sur la maman, je dis bonjour, c'est Philippe Croizon, et la maman voulait pas me croire. Elle dit, mais qui c'est qui fait une blague? Je dis, non, c'est vraiment moi. Et j'entends d'un coup, Théo, c'est Philippe à l'appareil. Je dis, attendez, je vais entendre parler d'abord. Allô, Philippe? J'ai entendu Théo de ses 6 ans, il m'a dit, c'est quand tu viens à la maison? 15 jours après, on était chez lui, et depuis, on est inséparables. Théo, il vient d'avoir ses 18 ans, et à l'âge de 12 ans, il m'a dit, ça y est, je sais ce que je veux. Je veux devenir champion du monde et je veux devenir champion paralympique de natation. Il avait peur de l'eau, il avait une phobie totale de l'eau. Et il est rentré à Vichy, au Pôle France de natation. Et depuis maintenant un peu plus de 4 ans, Théo, il s'entraîne tous les matins, il a 6 heures dans l'eau. Il s'entraîne. Après, à 8 heures, il est maintenant au lycée. Et après, le soir, il a 2 heures d'entraînement physique. Et après, il travaille, il fait ses études. Et après, il mange et il dort. Et Théo, il est maintenant plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe. Et il est 2 fois vice-champion du monde. Et à l'âge de 16 ans, il a participé à ses premiers Jeux paralympiques de Rio. Donc, encore une fois, tout est possible, c'est de la transmission. Merci beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà fixé des limites? Non. Non, à partir du moment où j'ai eu mon accident, il n'y avait plus de limites. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. Je suis mort le 5 mars 1994. On m'a donné une chance supplémentaire, on m'a dit « vie ». Alors je vis. J'ai mis longtemps à comprendre. Vous l'avez compris, j'ai végété pendant 7 ans avant de comprendre que j'avais le droit de vivre et que le droit d'aller vers les autres. Et aujourd'hui, je ne me fixe pas de limites. Les limites, c'est juste nous, c'est juste nos peurs. Je l'ai dit tout à l'heure, traverser la Manche, les gens ne voulaient pas y croire. Relier les 5 continents, c'était encore une connerie, personne ne voulait y croire. Faire le Dakar, quand j'appelle le directeur du Dakar, il me dit, mais hors de question, jamais de la vie tu feras le Dakar. Et je ne me décourage pas. Je dis, je comprends ton point de vue. T'as peur, tu ne connais pas le handicap. Tu ne me connais pas. Tu m'as vu à la télé traverser la Manche, mais tu ne me connais pas. Je dis, je vais faire mon magazine de la santé, parce que j'ai une chronique sur France 5 depuis 5 ans, ASO est juste à côté du plateau télé. Je dis, on va se rencontrer. Et avant d'aller le rencontrer, je prépare mon dossier, je prépare ma propre sécurité en plus du Dakar, je lis tout, je regarde des heures de vidéos, j'arrive avec mon dossier au rendez-vous, on déjeune ensemble, et quand Étienne Lavigne arrive, il me dit, écoute Philippe, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est non. Tu ne pourras pas faire le Dakar, c'est hors de question. Je dis, bah assis-toi, au moins on va déjeuner ensemble, ça me fait plaisir de te rencontrer. Et je discute pendant une demi-heure, je suis avec Susanna, ma chérie. Je discute pendant une demi-heure, je lui explique tout ce que j'ai préparé, ma sécurité, ma deuxième voiture en course, le camion derrière, tout ce que j'ai prévu en plus en sécurité. Et à la fin de la demi-heure, il me dit, t'as besoin de quoi? Il m'a dit, t'as besoin de quoi? J'étais parti pour faire le Dakar. Et là, vu que j'étais très méticuleux, j'ai demandé à Susanna, tu peux me donner la liste s'il te plaît? Donc j'ai sorti la liste, et en haut de la liste, il y avait marqué une lettre de soutien de la part d'Étienne Lavigne. Il me dit, t'exagères. Je dis, oui, mais si j'ai pas une lettre de soutien de ta part, toi, le patron du Dakar, qui va me suivre? Quel sponsor va venir avec moi si je n'ai pas cette lettre-là du grand patron du Dakar? Il m'a fait la lettre de soutien et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir après mes premiers sponsors et c'est comme ça qu'on a réussi à aller dans cette aventure. Donc voilà, c'est l'impossible, je pense que c'est juste nos peurs et notre train-train quotidien. On a tous, mais c'est compréhensible. On a notre travail, notre vie de famille, on a la tête dans le guidon et on oublie de réfléchir. Et très souvent, quand je fais des conférences ce coup-là sur l'optimisme, parce que je fais partie du printemps de l'optimisme et ainsi de suite, je dis aux gens, mais quand vous allez rentrer chez vous, juste quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, arrêtez-vous une minute sur votre paillasson. Juste une minute pour vous. Et regardez ce que vous avez. Regardez la chance que vous avez. Juste ça. Faites le point de tout ce que vous avez. Et vous allez dire, ouais, putain, franchement, j'ai du bol. Parce que des fois, on a la tête dans le guidon et on ne se rend plus compte. Et on vit dans un pays, excusez-moi, je pars dans un autre truc, mais dans un pays où on est trop pessimiste, quoi. On regarde trop la télé, on regarde trop BFM TV le matin au petit-déj. Quoi. Vous voulez passer une bonne journée, regardez pas BFM TV le matin au petit-déj. Vraiment, vous allez passer une journée extraordinaire. Vous allez voir que vous allez dire, waouh, la journée, elle est radieuse. Quoi. Voilà, c'est vraiment le petit message en plus. Moi, j'aime bien plutôt le côté du verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ou s'il est à moitié vide, c'est que le verre est trop grand. Et alors, est-ce que tu as déjà renoncé à un projet entamé? Est-ce que tu te considères comme un homme d'exception? Non, j'ai jamais arrêté. Je l'ai dit tout à l'heure, mon mode de fonctionnement, c'est l'idée, les informations, j'ai peur, mais c'est trop tard. Bien sûr, le doute, il m'a pourri la vie pendant de nombreuses années. À chaque fois, je remène ma nouvelle aventure sur le Dakar, j'ai le doute parce que voilà, il y a un budget, il y a une grosse équipe. Là, c'est des véritables ingénieurs, c'est des véritables professionnels.
on va dire que le premier Dakar, c'était de l'amateurisme, et là, on passe vraiment dans une catégorie professionnelle. Donc, le doute est là. Il faut que je trouve mes budgets, il faut que je trouve mes sponsors. Le doute est là. De temps en temps, j'ai besoin de craquer. Je suis pas un surhomme. La question d'après, est-ce que je suis un surhomme? Mais je suis pas un surhomme. Je chiale. J'ai besoin de chialer très souvent. Quand ça va pas, que le doute est trop puissant, je prends mon fauteuil électrique, je m'en vais dans les bois. Le premier lapin qui passe, il s'en prend plein la tronche, le pauvre lapin, il a rien demandé. Mais j'ai besoin de crier, de hurler. C'est mon mode de fonctionnement. Et après, je reviens, je redémarre. C'est comme ça que tu gères tes doutes. C'est comme ça que je gère mon doute, oui, c'est de hurler. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai géré avec la sophrologie. J'aime tout tester. Quand je pars dans une aventure, le jour où je pars, tout a été testé. Il n'y a pas d'improvisation. C'est interdit l'improvisation. Que ce soit sur le Dakar, que ce soit sur la Manche, des cinq continents, l'improvisation ne peut pas arriver. Tout doit être préparé avec l'équipe en amont. Et pour préparer ça aussi, bon, je t'ai fait la sophrologie pour la Manche et pour le Dakar. Je disais tout à l'heure à la table où j'étais, j'ai préparé une technique que les pilotes de chasse français utilisent. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire arriver à gérer son cœur, même en cas de danger, que le cœur ne s'emballe pas, qu'il n'y ait pas une montée d'adrénaline et qu'on devienne tout coton. Donc pour ça, je travaille l'hypnose et la cohérence cardiaque. Donc j'ai une équipe de professionnels autour de moi. Donc on travaille l'hypnose. Et quand je suis en panne sur le Dakar ou qu'il m'arrive quelque chose, fou, je ferme les yeux, je me mets en cohérence cardiaque, je réduis mon cœur à une vitesse minimale et je me repose. Pendant ce temps-là, l'équipe travaille et quand ils ont fini, paf, ils me mettent en action, pouf, je suis réveillé, j'ai rattrapé plein de force et je peux repartir à fond à 160 ou 180 sur une piste. Donc voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Alors, une question plus générale. Mais par contre, je suis exigeant avec l'équipe. Hein. Autant que je suis exigeant avec moi-même, mais l'équipe, je suis très exigeant aussi. Quoi. Il n'y a pas d'abandon possible. Je l'ai dit, je l'explique dans mon livre « Plus fort la vie ». Parce que là, vous avez le livre « Pas de droit, pas de chocolat ».« Plus fort la vie », je vais faire la séance de dédicace. Et ceux qui ont des questions un peu plus particulières, j'y répondrai pendant la séance de dédicace de « Plus fort la vie ». Dans ce livre, j'explique dans ma vie, j'ai connu deux fois le renoncement et deux fois l'échec. C'est le deux... Oh putain. Merde. Pardon. C'est les deux fois où j'ai voulu te mettre fin à mes jours. Quand j'ai eu ma phase de colère, j'ai connu le renoncement et j'ai connu l'échec parce que j'ai échoué aux deux fois où j'ai voulu te mettre fin à mes jours. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais recommencé parce que je veux jamais reconnaître ce sentiment terrible. Qui est un bouton on-off, qui est un objectif à atteindre. Le même objectif que de traverser la Manche, c'est vouloir mettre fin à ses jours. C'est un objectif de fou et je l'explique dans ce livre que cet objectif-là, malheureusement, des fois on dit, mais quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, la première fois, mes parents étaient là, je leur ai fait des gros sourires, je leur ai fait des gros bisous, je leur ai dit que je les aimais très fort. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'avais mon objectif à atteindre. Et quand ils ont fermé la porte, j'ai mis mon objectif en route. Voilà, c'est le côté, excusez-moi, mais ça fait partie de la vie aussi, quoi. Ça fait partie de la vie et il faut l'expliquer et je l'explique dans ce bouquin aussi. Mais qui est un bouquin très optimiste aussi. Hein. Alors, c'est Orvia qui demande quel regard portes-tu sur la société d'aujourd'hui, notamment sur les zones de confort qu'on a, une société confortable. Voilà. Quel regard, finalement, sans risque, hein, si je comprends non, un peu la question. Non, ce que je remarque, c'est qu'on vit dans un pays extraordinaire. Et c'est que, je l'expliquais tout à l'heure, le coup de s'arrêter une minute sur son paillasson et de regarder tout ce qu'on a. C'est à la fois de regarder ce qu'on a, nous, en tant que propriétaire, sa maison, sa voiture, ses enfants, sa famille, tout ce qu'on a pu construire pour réussir notre objectif de vie, mais tout ce qu'on a autour aussi, le pays formidable où on vit, la France, tout ce qu'on a, on vit dans un... Moi, mon accident a coûté à la société, quand il y a eu mon procès avec la régie, la Sécurité sociale a demandé 1 million d'euros de frais de remboursement. C'est-à-dire que mon accident, mon hospitalisation a coûté 1 million d'euros à la société. J'aurais eu mon accident en Afrique ou je ne sais où, je ne suis pas sûr qu'on aurait mis 1 million d'euros sur la table pour me sauver la vie. Quoi. Donc on a cette chance-là de vivre dans un pays extraordinaire. Et ça, malheureusement, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est le pays le plus pessimiste au monde. C'est affreux, comment on peut être le pays le plus pessimiste au monde alors qu'on a tout pour être heureux. Donc, et on le voit avec l'économie redémarre et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on est capable de faire un yo-yo. Quoi. On a un nouveau président tout jeune, ça crée une dynamique, le pays redémarre et tout le monde a envie d'y croire. Mais demain, il y a une petite catastrophe, un petit pépin, c'est incroyable. Tiens, une preuve. Une preuve extraordinaire. On prend un citoyen, n'importe lequel, tout seul. On va le voir à la sortie de sa maison. Ça va ? Ben ouais, ça va, c'est génial. J'ai une vie formidable, j'ai un boulot, j'ai une famille. C'est génial. On prend le même citoyen. On le suit au travail, à la machine à café. Il est avec ses collaborateurs. On lui pose la même question. Ça va ? Ah ben non. Mais la France est foutue. Tu vois pas dans quel monde on vit. Le mec, il a regardé BFM TV le matin. Mais la France est foutue, mon pauvre monsieur. Mais mes gosses, ils iront jamais à l'école. Et puis, on n'aura jamais la retraite. Mais tu te rends pas compte dans quel monde on vit. Ça y est, le même mec, le même personnage, tout seul, il va très bien, il est optimiste. Le même personnage, en collectif, en groupe, il est pessimiste.
C'est phénoménal quand même, non? Comment le mec, il peut changer comme ça d'un seul coup? Ben voilà, c'est le citoyen français qui est capable d'être optimiste tout seul et pessimiste en groupe. C'est juste assez incroyable. Donc voilà, je remarque un petit peu ce phénomène-là parce que, je vous dis, je travaille beaucoup sur l'optimiste. Il y a, sur l'optimisme, il y a le printemps de l'optimisme qui existe. D'ailleurs, il y a un pays qui s'appelle l'Optimicistan. Vous pouvez prendre une carte, hein, on a le droit d'être citoyen de l'Optimicistan. Hein, donc je vous invite à venir à nous rejoindre dans notre pays de personnes optimistes. On n'est pas des gens malades. On n'est pas des gens hyper heureux, hyper souriants. L'optimiste, c'est pas ça. L'optimiste, c'est de peut-être moi, mon optimiste, c'est de croire en moi. De croire en moi et de mener des objectifs et de dire que pour moi, ça, c'est possible. Et là, je suis optimiste. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, oui. Des questions très personnelles, mais je crois que ça ne va pas t'effrayer. La Cerdis demande, es-tu croyant ? Oui. Et Prosélis demande, tu n'as pas parlé de la mort, pour l'interrogation. Ah bah ça y est, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bah, la mort, je l'ai rencontrée un petit peu sur l'échelle. Bon, après, il y a quelques témoins et les gendarmes qui ont témoigné, c'était sur le rapport, sur le procès verbal. Je criais après quelqu'un sur l'échelle, une fois que je suis revenu à moi au deuxième impact électrique et au troisième. Je criais après quelqu'un en lui disant « Fous-moi la paix, je te dis que je ne veux pas partir, je veux rester là. » Moi, j'en ai pas le souvenir. C'est les témoins en bas qui l'ont signalé sur le procès verbal. Je gueulais après quelqu'un en disant « Fous-moi la paix, je te dis que je ne veux pas partir, je veux rester là. J'ai encore du temps à rester là. Laisse-moi tranquille. » Je me battais contre quelqu'un. Contre qui, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Après, croyant, j'ai été baptisé. De temps en temps, quand il y a un petit coup de pépin, quand j'ai eu mon accident, ça mange pas de pain de demander un coup de main au cas où, hein, s'il voulait faire quelque chose. Donc effectivement, comme tout le monde, quand j'étais au fond du trou, je dis écoute, si t'es là, c'est le moment. Vas-y. Et après, c'est ce que j'explique dans les livres, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnages et j'ai rencontré le pape Jean-Paul II quand il est venu à Tours, à la basilique Saint-Martin, et on était là en face de l'autre. Bon, c'est peut-être ma maladie des clignotants de l'œil, je lui ai fait un clin d'œil, il m'a répondu par un clin d'œil. Et après, il est venu me voir, il m'a fait un signe de croix, on a discuté un petit peu, mais je ne suis pas devenu dévot pour autant, quoi. Là, je suis venu à Nantes, j'ai été voir la cathédrale de Nantes parce que je voulais la visiter. Vu qu'il était là, je lui ai fait une petite causette quand même. Je dis, écoute, merci pour le coup de main. Je ne sais pas si tu as été pour quelque chose, mais pour l'instant, c'est chouette, continue. Donc voilà, je vais de temps en temps à l'église, mais je ne suis pas dévot pour autant. Donc on ne sait jamais, parce que... Donc voilà. Oui, Philippe, ce que je voulais te dire, ce n'est pas tellement une question, c'est plus un commentaire. Passionné de voile, il est écrit sur la coque des bateaux qui font le tour du monde... une phrase merveilleuse qui est « Ne faites pas de rêves médiocres, ce sont les plus durs à réaliser. » Elle est du général de Gaulle. Je trouve que tu en es l'incarnation. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et ça, j'adore cette phrase-là aussi, ouais, parce qu'à chaque fois que je mène une aventure, je ne sais pas que c'est impossible. C'est seulement les autres qui me le disent. « Arrête tes conneries, c'est impossible. » Donc, mais merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'à travers le sport qu'on peut trouver cette dimension Cette résilience. Voilà, cette résilience. Non, du tout, du tout, du tout. Moi, mon outil de résilience, ça a été le sport. Mais pour quelqu'un, ça va être peut-être l'écriture. Ça va être peut-être de faire de la cuisine. Je ne sais pas. Apprendre à piloter un avion ou j'en sais rien, mais faire quelque chose de sa vie. C'est ça le plus important. L'outil de résilience, moi, ça a été le sport qui m'a permis d'aller vers les autres et surtout d'accepter mon nouveau schéma corporel parce que j'avais vraiment peur et j'avais vraiment honte de lui. Mais chacun peut avoir son propre outil de résilience. Il ne faut pas faire des défis de dingue pour avoir son outil de résilience. Heureusement que non, parce que sinon, je serais au chômage, il y aurait trop de monde sur le marché. Mais non, je déconne. Mais voilà, c'est... Non, chacun a son propre outil de résilience. Moi, c'est le sport qui m'a reconstruit et je dirais que le sport m'a permis de sortir de mon canapé et grâce à lui, j'aime ma vie d'aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai réussi à quitter mon canapé grâce à lui. Donc, et j'aime ma life, quoi. Ma life est chouette, quoi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une question. Quel est, d'après vous, le meilleur conseil que vous donneriez à vos enfants? Ah, ose. Ose. Mais vas-y. Mon garçon, à un moment donné, il voulait être gendarme. Il voulait rentrer dans l'école d'officier, il voulait être gendarme, Jérémy. Et il avait peur de me dire qu'il ne voulait plus faire ça. Et un jour, il a trouvé le courage, il me dit, papa, il dit... l'école d'officier, tout ça, ça m'intéresse plus de trop, je voudrais rentrer en école de commerce. Je dis, va mon garçon, fais. Il dit, mais t'es sûr papa, parce que t'étais tellement fier que j'allais être gendarme et tout ça. Je dis, bien sûr que j'aurais été fier que tu sois gendarme.
que tu sois gendarme ou que tu sois officier de gendarmerie, bien sûr j'aurais été fier, mais je vais être aussi fier que tu sois dans une école de commerce, que tu fasses tes études et ainsi de suite. Tu sais, mon Jérémy, quand j'ai eu mon accident, une fois il a eu le droit de venir me voir derrière la vitre stérile. Et oh putain, pardon, j'ai dit un gros mot à chaque fois, parce que la moutarde monte. Et son papy lui avait dit, tu pleures pas devant papa. Donc il n'avait pas pleuré devant papa. Et lui, derrière la vitre, il m'a dit, mon papa, je serai fort et je serai courageux pour toi. Et je travaillerai bien à l'école, papa. Et quand tu rentreras à la maison, je t'aiderai à manger, mon papa. Et derrière la vitre stérile, on m'a mis un drap pour le protéger, pour pas que ce soit trop voyant. On avait mis un cache-sexe et on avait mis un drap sur moi. Et mon petit garçon, il a commencé à me parler, il a arrêté de parler, il a regardé l'infirmière et il dit, vous pouvez enlever le drap, s'il vous plaît. Et l'infirmière me regarde et dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, enlever le drap. Il dit, oui, parce que je suis venu voir mon papa. Parce que tout le monde parle de mon papa à la maison, mais je ne sais pas comment il est aujourd'hui. Et donc, on a enlevé le drap. Et là, tout fort, tout go, il a dit, je serai là pour t'aider quand tu rentreras à la maison. Et il dit, je travaillerai super bien à l'école maintenant, papa. Et quand Jérémy, il a fait ses écoles de commerce, il a eu bac plus 5, je lui dis, c'est bon, tu peux arrêter ta promesse maintenant. Tu peux aller bosser parce que j'en ai marre de toi. Mais c'est vrai en plus, hein. Ça s'est vraiment passé comme ça. Donc voilà, Donc mes deux garçons, et puis après Grégory, il m'a toujours connu comme ça, lui, puisqu'il est né 2 mois après l'accident, donc lui, il n'y a pas eu de gêne. Avec son papa qui était handicapé, il n'y avait pas de gêne, il était plutôt fier, lui. J'allais le chercher à l'école, il montait sur le fauteuil électrique, il saluait les copains, « Eh, moi, je marche pas, coucou !» Voilà, il était plutôt fier comme garçon. Je ne sais pas comment trop vous poser la question, mais je me dis, est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, votre accident était une forme de chance ? Je vois. Je pourrais le poser autrement, mais... Non, mais je comprends. Je comprends la question. Et je vous dirais que, je l'ai dit tout à l'heure, à cause de lui, il y a des trucs où je suis emmerdé, je ne peux plus faire à cause de son handicap, mais grâce à lui, je l'ai transformé, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Mais il a fallu du temps. Et aujourd'hui, si on me disait, pour aller plus loin encore, quand il y a eu le professeur du Bernard, la première greffe de bras à la télé, j'étais dans mon canapé, parce que j'étais pendant mes 7 ans de canapé, il y a eu la première greffe de bras, le professeur du Bernard à Lyon, il avait greffé Kintalam, la première main au monde, et j'étais dans mon canapé et je me suis mis à chialer comme une madeleine. Et mon premier réflexe, j'ai foncé sur le téléphone, j'ai appelé l'hôpital de Lyon, j'ai eu le service du professeur du Bernard et j'ai harcelé la pauvre, mais je l'ai appelé 10 fois, 15 fois, la pauvre femme. Non, mais je veux qu'un bras, j'en ai rien à foutre. Non, mais monsieur, c'est des essais. Je vous dis que je veux qu'un bras, j'en ai 4 en moins. Je vous demande pas grand chose, je vous demande un bras. Et à la fin, j'ai abandonné et je me suis dit, mais repartir dans de la chirurgie, repartir dans de la rééducation, reprendre des traitements lourds de rejet. Et je me suis dit, mais non, et j'ai accepté mon nouveau schéma corporel, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai accepté ma nouvelle vie. Et aujourd'hui, se me redonner des bras et des jambes pour retourner ma vie d'avant, de métallo. Et ma vie d'avant, j'aime ma vie d'aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner ma vie d'avant. Ouais. Enfin, tout va bien. Ok, il me manque 4 trucs, mais tout va bien, je suis heureux aujourd'hui. J'ai accepté, c'est juste un temps d'adaptation. Donc, quand on me regrefferait des bras et des jambes, il faudrait vraiment une baguette magique ou des extraterrestres qui arrivent et qui me disent « Ok, on va te faire ça, mais il n'y a pas de contre-indication derrière, il n'y a pas de médicaments anti-rejet et tout ça. » Donc là, je dirais oui, mais aujourd'hui, non, tout va bien. J'aime bien ma life. Merci beaucoup. Dans ce livre, après, il y a les réseaux sociaux, les gens qui se moquent de moi sur les réseaux sociaux. Qui se moquent de moi, oui et non. Enfin, il y a des trucs que j'adore. L'autre jour, il y avait un journal, je crois que c'était dans Ouest France ou un truc comme ça, il y avait marqué « On a retrouvé un bras et une jambe dans la Garonne ». Et il y a un monsieur qui a tweeté « C'est Philippe Croizon qui va être content ». J'ai trouvé ça super bon. Avant, je pilotais ma voiture, je conduisais ma voiture avec mes prothèses. Aujourd'hui, je conduis sans prothèse, vous l'avez compris. Et ma prothèse, la première voiture que j'avais, la prothèse, elle ne tenait pas bien. C'est-à-dire que j'avais l'emboîture et la main se mettait sur l'emboîture. Et je prenais, une fois, j'avais pris le mini-manche et la main était tombée. Elle s'était arrachée du bras, quoi. Donc elle a fait « poum » comme ça, avec le pouce vers le haut. Et là, il y avait 2 mecs qui étaient au bord de la rivière, c'était à Châtellerault, au bord de la Vienne, et les 2 mecs étaient en train de pêcher, et ils me regardaient. Et là, je suis avec ma main, mon machin, je dis « bah, il faut que je la remette ». J'attrape avec les dents le pouce, comme ça, et j'essaie de bricoler comme ça. Et t'avais les 2 mecs qui étaient... Mais après, j'imaginais les 2 gars qui rentrent chez eux et qui expliquent ça à leur femme. Vous imaginez le truc ?« Salaud, t'es encore bourré !» Merci. Merci à vous.